Oui, les gars, nous avons constaté depuis hier que le marché est ouvert, le marché est ouvert, le marché est en train de remonter. Donc, voilà, l'Ethereum est passé à gagner environ plus de 300 $, plus de 400 $. On peut dire bientôt 400 $, voilà, parce que s'il est à 1500 $ aujourd'hui, il aura comme ça gagné 400 $, parce que vendredi, il était encore à 1100, il était à 1100, il était à 1100, voilà. Il a gagné déjà à peu près 400. Voilà, on constate également que le BTC ici, le prix le plus bas durant les dernières 24 heures était de 20 000. Le prix le plus élevé durant les 24 heures était de 22 500. Voilà, avec un volume journalier de 11 milliards, 11 milliards, voilà. Une capitalisation totale de 400. On peut dire à peu près 400 milliards, voilà, 400 milliards, voilà, donc, et voilà, donc on voit très très bien la progression du projet, on voit très bien la progression du projet. Il faut se dire qu'à un moment donné, lorsqu'on regarde ce graphique, lorsqu'on regarde ce graphique, voilà, si je, les dernières 4 heures, voilà, si je veux changer, je vais prendre les derniers, non, les dernières 4 heures, voilà, sur un jour. Sur un jour, on voit très bien comment le Bitcoin est remonté. On voit très très bien d'où il est parti. Voilà. On voit comment il est en train de progresser. Voilà. Et actuellement, il est à 22 160. Moi, j'ai le sentiment qu'il pourrait avoisiner les 23 000, les 23 000 cette journée, à la fin de cette journée, voilà. Espérons, ceux qui ont pris des bonnes positions actuellement, ceux qui ont pris des positions depuis samedi, voilà, et qui ont mis en place des stratégies pour avoir des intérêts, pour avoir des profits, voilà, ont déjà gagné, ont déjà eu des profits, voilà. C'est pour cela que je demande à toute personne intelligente, ouais, de se former, voilà, parce que quand tu es formé, tu as de l'expertise, tu sais analyser un projet, tu sais prendre les bonnes décisions quand il faut. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, hein. Il faut prendre les bonnes décisions au moment où il faut, quand il faut. Voilà, analyser, voilà. Sans oublier la psychologie du marché, voilà. Donc, ne pas s'engager sans toutefois comprendre, voilà, les différentes figures chez artistes. Donc, c'est très, très important. Voilà, et je tiens à rappeler que nous avons une formation sur le trading futur. Voilà, ceux qui veulent trader dans le futur, voilà, il y a une formation pour cela. Elle n'est pas, le coût n'est pas cher, elle n'est pas trop chère, elle n'est pas trop chère. Donc, elle n'est pas trop chère, il suffit juste de prendre contact avec l'équipe. Voilà, nous allons comme ça. Nous allons comme ça vous aiguiller, nous allons comme ça vous donner les informations utiles. Voilà, donc voici les différents achats en cours. Vous voyez le prix. Il y a des personnes qui ont acheté, vous voyez les différentes variations. Il y a des personnes qui achètent les 3 bitcoins, il y a des personnes qui achètent les 2 bitcoins. Voilà, ça c'est comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est l'achat et ça c'est la vente au niveau du rouge ici. Voilà donc. Alors, actuellement, le marché se porte très bien. Voilà, donc ceux qui ont pris des positions depuis hier, actuellement, on y a eu pas mal de. On y a eu des plus-values. Voilà, ils ont y a eu des profits. Voilà, relativement aux stratégies qu'ils ont mis en place. Voilà, donc la chaîne Entrepreneur Web 3.0, c'est une chaîne qui vise comme ça à créer une communauté de milliardaires et de millionnaires d'ici 2024, parce qu'il faut savoir que nous sommes encore dans la période du bear market. Le bear market est censé durer encore plusieurs années, voilà, avant le prochain halving, voilà, et je vais expliquer ces différents termes là dans une prochaine vidéo, voilà, en ce qui concerne le cycle du Bitcoin, voilà. Alors, vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur le cycle du Bitcoin, voilà, je vous promets, voilà, dans les prochains jours, je ferai une vidéo là-dessus, question de partager encore cette information utile à l'ensemble de la communauté, c'est très très important. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme ça de la partager et retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye et puis c'est tout.